Yo l'équipe, ça va ou quoi? Bah vas-y hein, nouveau vlog. No days off, no days off, no days off. Aye, step off the block and I'm feeling nice. Tuesday I find her appealing, I took a U-turn just to pre that twice. In the whack till the G baptized. Step off the block and I'm feeling good. Now I got six trying to link me, it's fair to say that I overbooked. Le chargeur au téléphone. Shit, your drip's needy and them shoes ain't it. Step on your block and your goons ain't shit. Closest range, swing that shit. Bisous Maxime. Allez, ça marche. Ouais, ciao, ciao. Brand is overlooked, but they don't understand it. But understand I'm a bandit, I'm taking a lamb and I'm making a banquet. Aye. All for the love of the man, them know that close hand. Je pouvais tout simplement pas être dans l'avion et filmer l'avion. Et j'avais pas non plus accès au là où il y a les avions quoi. Pour filmer. Oui, parce que oui, les potes, je ferai quelques petites interventions comme ça. Et non, nous ne sommes pas dans Et tout, le concept de notre ami Jupiter Terre que vous pouvez les suivre juste ici. Et vous savez quoi, je vous mets même sa dernière vidéo en description. Allez voir, c'est très bien ce qu'il fait. Du coup, oui, je vais intervenir de temps en temps parce qu'en fait, ce vlog, je me suis rendu compte qu'il avait, entre guillemets, pas aucun sens. Mais il n'y a pas un vrai fil conducteur. Donc, je vais me permettre d'intervenir de temps en temps pour resituer un petit peu la situation, tout simplement. Je vous laisse tranquille, on continue. Ah putain. Non, on l'entend pas. Ok les gars, je suis avec Ben, on fait un premier essai sur les paroles que j'ai écrites sur le clash avec Théodore. Allez. Vas-y. Et du coup, comme ça, il va pouvoir juger. Je pense. Balance l'instru, Hugo. C'est l'île prout, enfoiré. C'est l'île prout, frérot, enfoiré. Reste à cru, frère. Vas-y. La première fois que j'ai rencontré Esda, il me racontait qu'il avait peur d'un monstre sous son matelas. Théodore, t'es nu sur mon rinté, dégage de là. Tu passeras jamais dans merde où nuit t'es là. Ma mère m'a tout dit, pour elle t'étais un hobby. Je te fais danser le gobi, t'as vu passer un esprit. Je vois tu rougis, ici c'est pas Paris. C'est le parking de Zen et t'es en train de te faire détruire. Avec ton petit cul là, je connais ton passé. Mastu, le l'autre, et là c'est ça que je crois. Ça c'était les répètes et mine de rien il y avait une petite pression parce qu'il y avait beaucoup de monde. On se rend peut-être pas compte sur le live mais il y avait beaucoup de monde. Et ça du coup c'est ce que ça a donné. Je vous mets pas tout parce que je voulais juste le début parce que c'est un carnage. Merci frérot. C'est l'île Prout la team. Une petite odeur de merde. La première fois que j'y rencontre ce gars, il me disait qu'il avait peur d'un monstre sous son matelas. Théodore, ici t'es pas chez toi, non, dégage de là, tu passeras pas dans merde au Nutella. Ma mère l'a dit. J'allais faire un autre que je devais sortir en février, mais j'ai perdu tous les rushs. Et là, je suis en train de filmer les 10 jours que je passe ici à Paris. C'est bien l'accent corse. C'était l'accent corse. C'est quoi l'accent corse? Non, parce que je sais pas ce que c'est l'accent corse. Je te parle. Eh, le sanglier. Doumé, tu as visé le sanglier ou pas? Pam pam. Abonnez-vous à mon Instagram aussi. Vas-y, donne ton Insta. Là, ça va s'inscrire en bas de l'écran. Et moi, n'hésitez pas, Little Angel 84. Allez, la bonne soirée. Allez, rentre bien. Et la bonne soirée. C'est quoi ça, Little Angel 84? Ouais, je sais pas, je crois que c'est. C'est précis quand même. C'est une actrice porno. Ouais, c'est. Y'a pas eu de suspense. Y'a pas de. Ah non, par contre, tu filmes pas lui. Ah non, je filme pas, non, surtout pas, surtout qu'est-ce qu'il y a. Moi, j'y vais, moi. Lui aussi, veut faire la promo de son Insta. De quoi? Tu veux faire la promo de ton Insta? Pour sa chaîne. Instagram, non mais c'est. Allez, suivez-lui, c'est lui la vidéo dans la merde. Maintenant, il va encore sauter, ça sert à rien. Ouais, ciao. Bisous, mon frérot. Prends la cam, deux secondes là. Prends la cam, deux secondes là. Oh, c'est bon, reprends la cam, tranquille. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Passe. La vie de ma mère. Bah ouais, la vie de ta mère, tu crois ça sent quoi la rouge ou quoi? Ah ouais, bah sors-moi quelqu'un qui sent bon du cul maintenant là. Bah pas toi du coup. Bah ouais. Pour le coup, non. Ah, j'ai fait un tu veux sentir la cam? Je suis l'île Prout, je vous rappelle. C'est l'île Prout. C'est l'île Prout la team. Tu m'as envoyé le bière, Fadé, s'il te plaît. Ah, Maxime va revenir et va nous voir, on va être pompette. Ah, on va être complètement pompette. Ah, j'ai mangé les nuggets. J'ai mangé les nuggets. Maxime, c'est quoi les nuggets? Avec les petits, j'ai mis le ketchup. Nous, on fera les entrecôtes. Le petit, tu lui mets le menu. Ouais, vu que tu veux filmer, on va filmer, hein. Vas-y. Allez, go. On va aller voir là-bas, là, il y a Maxime et tout, non? Ah, c'est le bordel! C'est le bordel! Ils sont allés dans la pièce là? Ils sont là-bas? Ah ouais, c'est là-bas. Je t'emmène. Mais attention à la caméra, tu baisses ta caméra. Ah, tu baisses la caméra? Ne filme pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oh, non! Oh,
C'est la C4, c'est la C4. C'est la C4, elle a craqué. C'est ça, hein. Non. C'est un ostéo. On fait le testament. Non, non, il est en fin de vie. J'étais avec Thibaut, Grim et ils ont commandé à verre, ils sont partis, Dieu merci. Ils ont commandé à bouffer. Quel bonheur, ils ont fait l'extrême. Ah, t'as commandé à bouffer, toi? Non, venez, on se commande à bouffer. Vas-y, moi je suis chaud. Je suis trop chaud, moi. J'ai pas mangé. J'ai pas de réseau. J'ai pas mangé non plus. Pourtant, mais j'étais à Samaritaine, quoi. J'ai fait un petit tour, quoi. Ah, tu te fais un petit shopping là? Tu te balades? Ouais, je me balade. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, j'ai dit, putain. Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Vous mettez ça dans le sac. Mettez ça dans le sac. Tu veux... Hein? Là, je me dis que c'est après je vais stream, mais là, du coup, je suis dispo. Je sais pas si tu veux me rejoindre ou si tu veux que je vienne. Vas-y, je suis chaud. Ok, mettez ça dans le sac. Mettez ça dans le sac et taisez-vous. Je vous jure, taisez-vous. Je vais mettre une balle dans la tête, en fait. Je vais mettre une balle dans la tête. Ouais, c'est cool, t'inquiète, c'est cool. Désolé, c'est mec. Cool. Désolé, mec, je suis un peu occupé. Je te. Non, c'est pas si, pas si. C'est normal. C'est pas de soucis. Ok, mec. Je te laisse tranquille, je pense. Hein? Je te laisse tranquille, Ouais, laisse-moi tranquille et t'inquiète, ça c'est marche. Moi qui t'invite au resto. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, j'imagine. Vas-y, ça marche. Bisous, mec. Bisous, mec. Je suis con, alors. C'est une dinguerie comme je suis con. Vas-y, je vais. Vas-y. T'as acheté quoi? Une sacoche. Petite sacoche. Note de la haute 8 sur 10 en commentaire, les potes. Voilà. S'ils mettent pas 10, bah c'est. Faut se faire foutre, quoi. Non, je pense pas qu'ils mettent 10. Finalement, quand tu retires avec le code. C'est ici que je retire? Le code de la carte, ouais, c'est là. Ah, tu me filmes? Ouais, je te. Tiens, je mets le code de la carte. Je mets. Faut toutes les infos, faut pas que le code, ouais. Faut l'expiration, le machin. Bah, voilà, je vous mets. Je vous mets la carte. Non, enlève dedans. De quoi? Insérer, ouais, je pense que. Insérer la carte, tac. Là, tu me disais, t'avais quoi? 10-15 000. 1000, ouais. Bah, donc, bah, là, les gars, y'a quoi se faire plaisir. Hein. Donc, je vous mets. Donc, admettons, je sais pas. Bah, mais déjà. Haute montant déjà. 5. Non, je pense que je mettrai au moins 6, je pense. 6 euros? 6 000? Non, je pense. Je sais pas, ça va suffire. 60 000. Tac. Ouais, au pire, on s'arrêtera. On fera un saut ce week-end s'il y a pas, s'il manque. Je crois s'il y a assez. Enfin, ce week-end, s'il manque, fais ça. T'as changé d'avis? Non, ça c'est autre chose. Ah, d'accord, il y a plusieurs retraits. Le gars, non. Il est en train de gérer 36 000 business en même temps. Non, j'arrive plus à suivre. Là, les 20 euros que t'as vu, c'est le pourboire. Pour la personne qui est. Il y a des pourboires à la machine à billets. Mais c'est pas un pourboire, monsieur. Ah, c'est un truc de ouf. Parce qu'il y a quelqu'un dedans qui gère le. Le code. C'est maintenant que les gens veulent c'est savoir. Le code, c'est donc 0232. 0232. Non, mais ça, du coup, ça c'est le pourboire. Et j'attends les 60 000. D'accord. Il y a 60 000 carrés. Bah vas-y, hein. C'est good. Bah super. Ouais. C'est la fin de la vidéo, on enlève. Ouais, on enlève. Coupé. Mais ça c'est pour ce soir, ça. Allez. Non mais attends. En plus je suis arrivé, il y en avait déjà une sur la table. Bon les potes. Le combat il a toujours pas commencé. On va dormir, hein? Ouais. Avec lui, on commence à s'endormir devant la télé. Il y a Maxime, ouais. Il est déjà allé se coucher là. Et il a mis un réveil pour 4h du matin. Attends quoi? Mais c'est bientôt en fait là. Il est 3h47, regarde. Ouais, il est 6h. 6h? Je fais une petite pause parce qu'en fait, oui, là c'était le soir où il y avait Cyril Gann qui se battait. Et on a décidé de faire une nuit blanche, tout simplement. Faire une nuit blanche. En plus, moi j'étais persuadé dans ma tête que le combat était à 4h, sauf en fait, à 4h c'était le début des hostilités. Il y avait 5-6 combats. Et le combat il a commencé à 5h50, je crois. Ce qui est bien, c'est qu'au moins 5h52, on était couché. Merci Gann pour ça. Du coup, voilà le contexte un petit peu. Si, 4h c'est le début de. Oh là là. Putain. Oh la haine. Ça y est, les potes, on est arrivé. À l'hôtel. Ah oui, là on était à l'hôtel parce que Maxime avait tourné une vidéo avec Raska, celle-là, juste là, qui s'affiche. Et on était à l'autre bout de Paris. Et vu que ça a duré toute la journée et qu'il fallait retraverser Paris et que le lendemain matin on avait rendez-vous au même endroit, et du coup, bah on s'est pris un petit hôtel quoi, on s'est fait plaisir. Freddy, j'ai un kyste. J'ai un kyste de bon matin. Tu veux pas venir. J'ai un kyste là, je me réveille ce matin, j'ai un kyste là, attends. J'ai un truc énorme là ce matin, je me réveille.
peux mettre ça dans ta vidéo, mec. Quoi? Tu peux pas mettre ça dans ta vidéo, mec. Les potes, aujourd'hui, je vous ai pas filmé grand-chose. Avec Maxime, on va se préparer là pour aller manger un bout dehors. Demain, c'est cool. Demain, c'est cool. Il y a le live de Grim. Maxime fait partie du jury et est pas censé être au courant. Grim, je suis désolé, mes frères, tu te doutes très bien que je dors chez Maxime. Hein, tu mettrais un extrait du live où je fais genre que je sais pas. Je fais genre, mais non, c'est Evian. Ouais. C'est Evian. Oh non. C'est Evian, ouais. Je connais le calvaire. Evian, t'es parti encore, mais t'es rentré. Wow. Mais ça veut dire que tu vas dormir encore à la maison là. Ça veut dire quoi, je dors encore à la maison. Je vous mets le jeu d'acteur de Maxime à ce moment-là quand il apprend que je suis dans l'émission, alors qu'il le sait pertinemment. On se retrouve au resto. Bisous. En vrai, un quart d'heure quoi. Bon, on y va à pied alors. Oui, on y va à pied. Voilà, hein. Voilà, voilà. Petite soirée au restaurant, ça s'est bien passé. Je vous ai pas filmé la soirée parce qu'en fait le restaurant était hyper sombre. Je sais pas si je vous ai mis le rush d'avant que vous avez peut-être vu, mais du coup l'image était saccadée, bref, tout ça. Et je vous l'ai pas dit. Merde, putain. Je me suis fait ban Insta là. Ben faut aller suivre le nouveau compte là qui s'affiche maintenant tout de suite. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Ça veut pas dire que c'est le compte que j'alimente le plus. Je m'explique. En fait l'ancien avec lequel je me suis fait ban, je bataille encore pour essayer de le récupérer. Parce que ça me fait chier quand même. Donc je vais quand même essayer de le récupérer. Mais en attendant, les annonces de live, les annonces de vidéos, les petites stories à la con comme je faisais avant, mais moins, parce que vas-y, tu vois, ça m'a un peu découragé, tu vois. Bah, du coup, vous pouvez quand même retrouver un minimum de tout ça sur ce fameux compte, donc n'hésitez pas à les suivre, ça fait toujours plaisir. Je sais pas quoi vous dire de plus. La semaine était hyper cool, hyper cool même. Elle était trop cool. J'avais pas mieux que hyper cool. Théo, yo, on est un flop singer. Il y a moi, il y a Cynthia, il y a Félix. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto cooking. Dites bonjour au vlog des Lions. Salut, c'est le vlog du... Ouais, bon bah c'est lui là. Je suis pas menacé pour faire cette vidéo cooking. C'est typiquement pourquoi je suis là en fait, parce que je vous ai fait un rush là. Donc, je suis fracassé là sur le canapé que vous venez de voir. Et je le considère comme, sur le moment quand je le tourne, un rush de fin de vidéo. En fait, la vidéo continue clairement quoi. Donc là c'est jour de Flop Singer, on est à Webedia pour le live de Grim. Ça aussi je vous mets le lien dans la description. Il a fait une version courte qui dure une demi-heure je crois. Non, c'est Samuel Etienne, fait une dinguerie. C'est Samuel Etienne, fait une dinguerie. Réaction de Samuel Etienne, est-ce que c'est Samuel Etienne? Bah ouais. Je suis déguisé en... Oui. Coucou, c'est moi. Ça lui a fait enregistrer. C'était comment? C'était trop bien. C'est pour vous dire que il n'y a plus de rush en fait, littéralement. C'est quasiment la fin de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va se laisser avec un petit rush quand on est dans l'avion avec Maxime, en train de traverser une tempête. Je vous laisse avec ça. Je voulais vous remercier parce que la force, vous me la donnez à chaque fois de plus en plus, que ça soit sur Twitch, Insta, Twitter, même si Insta, faut trop commencer à zéro, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je compte sur vous en tout cas pour laisser un petit commentaire, un petit j'aime. En ce qui concerne la chaîne YouTube d'ailleurs, je vais essayer de vous faire des vidéos plus souvent quand même. Je m'étais dit à la base que je ferais une vidéo par mois, au final j'ai fait que janvier. Et je me suis arrêté direct. Mais aujourd'hui on est en mars et je vous sors la vidéo. D'ailleurs je vous la sors certainement ce soir au moment où je tourne ces images. Donc je suis content. En revanche, une vidéo par mois c'est 12 vidéos. Et du coup 12 vidéos dans l'année, ça je peux vous les faire. Ça sent sans problème. Et puis je vous fais des bisous les potes, merci d'être restés jusqu'ici. Pour ceux qui ont envie de regarder ce petit rush où Maxime et moi on est en panique totale. Ça se voit pas je vous jure, mais il y avait un gars devant, il transpirait qu'il en pouvait plus. La fille à côté elle avait pris un sac pour respirer dedans. Nous on commençait à avoir l'estomac retourné. Et voilà, sur ce je vous fais des bisous les potes, prenez soin de vous. Dernier de recharger les cigarettes. On est dans une attraction, c'est une attraction. C'est un choix. Attends, mais c'est la première fois que je me dis. Attends, les gens vont croire que je pousse. C'est une dinguerie. En fait, ce qui est fou, c'est la première fois de ma vie que ça bouge autant. Ouais. J'arrive même pas à parler, à lire une phrase. Mais ce que je veux dire, c'est. Là, quand tu filmes, tu te rends pas compte, mais on est secoué dans tous les sens. Ah ouais, non, mais là, oui. Ça, c'est pas mal à la tête, là. C'est juste un enfer. Attends, j'ai des choix mal à ranger. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, et malheureusement, je pense qu'en vidéo, les gars, en vidéo, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte. Genre, là, dites-vous la vérité. C'est même pas pour abuser. Si on n'a pas la ceinture,
on est dans tous les sens. Mais la vie de ma mère. Vous voyez quand ils disent dans les avions non mais vraiment. Salut, préparez-vous pour l'atterrissage. Attends, je comprends la position.